Et bienvenue ici chez Google France. Eh oui, nous sommes ravis, ravis que vous puissiez nous rejoindre en ligne, en live, pour suivre cet événement qui est dédié au métier du numérique. Vous le savez peut-être, l'association Diversité s'engage depuis bientôt cinq ans, elle fêtera bientôt ses cinq ans, cette association, euh, pour défendre la diversité, ou plutôt les diversités. Quelle qu'elle soit, en faisant quoi En faisant le constat tout simplement euh, qu'il y a dans cette filière de la tech de vrais débouchés. Eh bien, euh, l'équipe a eu euh, l'idée de, de construire des clics numériques. Avec ce programme, qu'est-ce qu'il y a derrière Une ambition euh, faire sauter les barrières. Les tabous, les idées reçues qui empêchent notamment les, les demandeurs d'emploi d'accéder à cette filière, les je ne sais pas faire, les je n'y connais rien, par exemple. Mais aussi, vous allez le voir, lever d'autres freins pour les personnes, par exemple en situation de, de handicap, qui se disent cette filière de la tech, cette filière du numérique, non, ça n'est pas pour moi. Eh bien, ce soir, nous allons justement vous prouver, à vous qui êtes devant votre écran et qui nous suivez en live, euh, que euh, c'est possible que c'est tout le contraire qui peut se passer, justement, dans cette fameuse filière de la tech, dans cette fameuse filière du, du numérique. et vous allez, je l'espère, en tout cas moi, je l'ai été, être bluffé, bluffé par nos rôles modèles, par nos faiseurs qui vont venir ici, sur ce canapé, euh, me rejoindre et partager avec vous, vous donner envie, tout simplement, d'être les prochains sur la liste, de vous réorienter ou peut-être de vous reconvertir ici. On est, je vous l'ai dit, chez Google, Google France, qui est partenaire non seulement de cet événement, mais aussi depuis le début de l'association Diverse Idées. Je vais donc demander s'il vous plaît à Anne-Sophie Lebras, directrice France du programme Google Atelier Numérique, de bien vouloir nous rejoindre. Bonsoir Anne-Sophie. Bonsoir. Et merci de nous recevoir ici chez vous. On est ravis d'être avec vous pour parler de ce programme qui est fabuleux et pour parler de cette filière qui est fabuleuse. Parce que c'est vrai que quand on parle tech, quand on parle des métiers du numérique, des débouchés du futur aussi, vu de notre fenêtre à l'extérieur, on se dit il y a forcément Google qui est dans le coin. Vous êtes un partenaire incontournable en quelque sorte. Mais qu'est-ce qui vous, vous a donné envie de vous impliquer davantage justement au côté de Diversité. Alors, on a choisi de rejoindre cette épopée des clics numériques en 2020 parce que vous l'avez évoqué, Diversité et Google, c'est une vieille histoire. On a été partenaire dès 2018, dès les débuts de l'association. C'était une évidence en 2018. C'était aussi une évidence en 2020 quand Mounira, Anthony et le reste de l'association sont venus taper à notre porte quelques semaines après le début du premier confinement pour nous dire qu'ils souhaitaient lancer un nouveau programme, un nouveau dispositif. Pour accompagner un maximum de gens vers ces métiers du numérique, qui sont des métiers qui recrutent, qui sont des métiers en tension, et qu'ils ont imaginé un tout nouveau dispositif à distance pour lever toutes les barrières que vous évoquiez. Et là aussi, encore une fois, c'était tout à fait naturel et, et tout à fait dans la continuité de tout ce qu'on faisait avec D Diversi Days déjà depuis deux ans. Puis il y a un petit aspect qui a retenu particulièrement notre attention euh, dans des clics numériques, c'est la dimension régionale euh, et qui parler et qui résonnait particulièrement avec un projet qui nous tient à cœur chez Google, que sont les Google Atelier Numérique, qui fête leur 10 ans. C'est un programme de formation et d'accompagnement aux outils du numérique qu'on a Orienter, réorienter ces dernières années pour que ce soit beaucoup plus adapté aux défis des territoires. Et ça, on l'a retrouvé chez Décliques et on a été immédiatement séduit par, par ce nouveau projet. Oui, bah, vous avez raison de le préciser parce que là, aujourd'hui, c'est la dixième édition. Il y en a une neuf et euh, ça a commencé, je crois, en Occitanie. Et ils ont fait depuis le, le Tour de France, ils sont même allés outre-mer. On, tout on en fait. parlera tout, tout à <laughs> l'heure. Euh, comment est-ce que vous, vous allez pouvoir continuer à, à agir Quels sont finalement euh, les leviers, euh, quand on est Google, qu'on qu peut arriver à actionner alors, pour DiversiDay, on actionne deux leviers. Le premier levier, c'est un levier financier. Euh, on subventionne euh, DiversiDay depuis 2020 maintenant à travers Google.org, qui est la branche philanthropique de Google. Ça, c'est le premier aspect. Et puis, on intervient aussi au côté DiversiDay de façon beaucoup plus opérationnelle, de façon beaucoup plus tangible. J'ai évoqué ces Google Atelier Numérique, ce programme de formation qui permet aux 50 coachs Google déployés partout sur le territoire de former des des milliers de Français aux outils du numérique et euh, on met à disposition cette infrastructure, on met à disposition ces co-jougleurs numériques pour aider les bénéficiaires de Déclic Numérique depuis euh, 2020. Je crois qu'ensemble, on a formé plus de 3000 bénéficiaires dans 60 webinaires euh, animés par des co-jougleurs. Donc voilà comment est-ce qu'on intervient de façon vraiment très opérationnelle et très concrète aux côtés de Diversity Days. Et en nous accueillant ici aussi, oui, aussi chez Google France pour cet événement, pour le lancement de, de cette dixième édition. Merci beaucoup Merci Anne-Sophie. On, on va évidemment euh, continuer et on va tout de suite évidemment accueillir euh, les rôles modèles. Hein. Je vous ai parlé des, des faiseurs. Euh, je vous laisse évidemment euh, céder la place. Euh, à notre premier rôle modèle euh, qui va sûrement si vous êtes dans le, le jeu vidéo vous faire euh, dresser l'oreille oui oui j'ai bien dit jeu vidéo euh, si vous êtes fan de gaming euh, tendez bien l'oreille parce que c'est une spécialiste justement du gaming qui va nous rejoindre et vous allez voir elle a fait justement de son handicap invisible une force pour faire du jeu un moyen d'inclusion. Le menton, le mouvement des yeux par exemple peuvent suffire aujourd'hui pour jouer mais pour ça évidemment, il faut d'abord qu'il y ait des gens qui aient imaginé les choses, qui les aient pensées, qui les aient identifiées aussi. Alors euh, on va commencer par faire rentrer notre rôle modèle dans le game. Je vous demande d'accueillir Gwendoline Garant. gwendoline sous les applaudissements ici évidemment dans, dans le studio de, de google france euh, vous êtes knowledge manager chez don't node euh, racontez-moi comment est-ce que vous avez eu déjà l'envie d'aller dans, dans, ce, dans cet univers si particulier du jeu vidéo comme beaucoup de personnes je pense en jouant tout simplement euh, le premier jeu qui m'a fait ce déclic, en réalité, c'est un, un jeu maintenant qui est un peu vieux, qui s'appelle Beyond Good and Evil, qui a été fait par Ubisoft. Ah, ça, c'est un jeu pour moi, je crois. <laughs> je pense, je pense. Parce qu'effectivement, on incarne une femme qui est journaliste, et notre arme de prédilection, en réalité, c'est plutôt une caméra, un appareil photo, et des questions. Beaucoup de questions, et ça, c'est véritablement le fil conducteur de, de mon parcours, c'est des questions. Oui. Oui, ça, ça vous a plu les questions. Donc, vous auriez oui. presque pu être journaliste aussi, <laughs> euh, finalement, plus, euh, en En quoi vous vous êtes questionné Sur quoi vous vous êtes questionnée euh, Sur l'utilisateur. Donc, euh, j'ai commencé, j'étais artiste, en fait, dans le jeu vidéo, et je faisais ce qu'on appelait des interfaces. Je pense qu'une autre euh, rôle modèle en parlera également des interfaces. Et à un moment donné, j'ai voulu me questionner et aller plus loin, vous euh, comprendre en réalité ce que, bah, ce que vivait un utilisateur face à ce que je créais. Et donc, j'ai repris les études, je suis allée en psychologie et puis en sens de l'éducation et euh, je suis passée par la user research et, euh, et en réalité je m'intéresse vraiment à ce que bah, vit l'utilisateur, comment il pense les choses, comment est-ce qu'il reçoit le message qu'on lui communique, etc. Alors ceux qui sont en train de nous regarder derrière leur écran, qui nous écoutent aussi, sont en train de, de se dire mais on nous a parlé d'une édition euh, qui est euh, plus spécifiquement consacrée au handicap. Pourquoi est-ce que Gwendoline est avec nous <laughs> Euh, eh bien, ça ne se voit pas. J'ai plusieurs handicaps invisibles euh, qui sont d'ordre cognitif, euh, notamment de l'autisme et euh, beaucoup de troubles 10, donc la dyslexie, dyspraxie, dyscalculie, etc. Dysorthographie. Il y en a neuf, je crois, si je ne me trompe pas. Et effectivement, c'est des choses qu'on qu a su dépister, on va dire, très précocement, en tout cas pour les troubles 10. Et l'autisme n'est venu qu'à la vingtaine, donc euh, un parcours qui a été semé d'embûches. Mais, mais j'ai réussi en fait à, à utiliser des capacités qu'on a effectivement dans l'autisme pour me dire bah, ce que je fais, ça a du sens et, et en fait, je peux le communiquer aussi aux autres. Et c'est important parce qu'il y a 80% des personnes qui sont en situation de handicap qui souffrent injustement d'un handicap invisible. Oui, oui, oui. Donc c'est important de, de le préciser. Alors évidemment, ça ouvre, j'imagine, le, le jeu et, et ce questionnement, ça ouvre tout un champ de, des possibles finalement pour vous. C'est ça, et puis ça a permis justement de, de me dire, bah, ce que je veux faire, peut-être que ça n'existait pas à l'époque, euh, mais en réalité, au fur et à mesure qu'on avance, qu'on pose des questions et des bonnes questions à euh, des bonnes personnes, eh bien, ça permet justement de créer des métiers. Euh, le métier de, de user researcher euh, n'existait pas, le métier d'UX designer, c'est pareil. Euh, c'est assez récent au final. Et, euh, et en fait, c'est des métiers qui existent, qui ont du sens euh, et qui sont effectivement aussi dans la tech. Ça veut dire, si je vous suis bien, Gwendoline, que euh, vous avez un peu fait euh, du sur-mesure, vous avez un peu bidouillé pour, pour créer votre propre, votre propre métier Un petit peu au début, euh, surtout au début, mais maintenant, on peut trouver des formations, euh, notamment par la psychologie, mais. Mais il y a aussi sûrement d'autres écoles qui, euh, qui amènent à ces métiers-là et à comprendre ces métiers. Euh, mais au début, effectivement, c'était par tâtonnement et, et par euh, pugnacité, surtout, de, de devoir dire bah si, en fait, ce que je pense, ça peut se mesurer, je suis sûre. Et puis, quand on a des chiffres, de pouvoir dire bah si, ça fait du sens et allons-y. Et en parallèle, euh, vous avez aussi continué vos études pour explorer davantage les, les choses dans le jeu vidéo. Oui. Et à côté de ça, j'ai aussi monté mon entreprise. Ah bah dites donc euh, Parce que justement, donc, euh, comme j'ai dit au début, j'étais artiste et ça faisait plus sens. Donc j'ai repris les études. Et c'est là, effectivement, que j'ai monté mo mon auto-entreprise euh, pour faire de l'UX, pour ensuite faire de la user research. Et euh, maintenant, plutôt pour, parce que je suis donc à Node, euh, de plutôt utiliser cette auto-entreprise pour faire de, justement du consulting sur tout. Tout ce qui est diversité, sur ce qui est la représentation, et notamment via les associations dans lesquelles je participe beaucoup. Ça veut dire que euh, vous voyez euh, des choses que, que des personnes qui ne vivent pas, par exemple le handicap euh, au quotidien, oui. n'ont pas identifié dans, dans ce milieu des jeux vidéo, et que vous êtes du coup en capacité de, de pointer des, des manques et d'apporter des solutions Oui, bah, en réalité, en tant que personne en situation de handicap, en fait, on a une. Une perception du monde qui diffère de la norme euh, des valides, et c'est vrai que par exemple pour l'autisme, dans, dans la plupart des jeux vidéo, on va pas pouvoir se dire que bah, les notions d'accessibilité ça, ça concerne aussi certains types de, de handicap invisible, et en réalité, c'est le cas. Et euh, un, une anecdote euh, un de mes jeux préférés, donc s'appelle Dragon Age, pour ceux qui connaissent, euh, c'est un jeu narratif avec des choix, on a des dialogues, et en réalité, c'est un des premiers jeux que j'ai rencontré qui avait un, un petit médaillon à chaque choix de dialogue qui donnait ce que moi j'appelle une valence émotionnelle, donc une couleur, une émotion à, au, au message qu'on allait sélectionner, au choix qu'on allait faire. Et en fait, sans ce médaillon-là, les choix que je peux faire dans, dans les jeux ne fonctionnent pas. Et, euh, et c'est des petites choses comme ça, des tout petits détails qu'on ne pense pas être d'intérêt, d'être euh, intéressant. Et en réalité, c'est valable aussi pour le daltonisme. Euh, c'est valable aussi pour euh, comprendre des mathématiques, etc. Dans les jeux, parce qu'on utilise la même chose dans la vraie vie. Sauf qu'il nous manque effectivement toutes ces petites interfaces, toutes ces petites mécaniques, etc. Donc, il faut euh, se dire que notre euh, expérience en tant que euh, personne différente, bah, elle vaut pour tout le monde et elle aide tout le monde. Aujourd'hui euh vous avez conscience d'être un, un rôle modèle Oui, euh, c'est assez étrange, euh, c'est assez nouveau. Euh, dans le sens que ça fait euh, une dizaine d'années qu'effectivement j'essaye de, de partager ce message-là, de... parce qu'on me disait que ça n'existait pas ce que je voulais faire euh, et en fait euh, ça fait que récemment qu'il y a des personnes, des étudiants parce que je fais des interventions aussi en école qui me disent bah, merci parce qu'effectivement je suis un peu tout seul dans mon coin et personne ne me dit ça et dernièrement il y a euh, Madame Bethesda France, donc euh, Julie Chalmette qui à la Paris Games Week euh, en parlant de neurodiversité, de mon travail associatif m'a dit mais euh, si tu connais pas euh, donc mon pseudo qui est Noumeni euh, il faudrait que tu te mettes en relation avec elle, elle fait des trucs trop bien sur la neurodiversité. Et là, vous avez dit quoi bah, C'est moi. Voilà, donc euh, le message commence à être perçu, compris. Euh, peut-être pas encore la tête qui va avec, mais en tout cas, ça avance, c'est quelque chose qui commence à être effectivement connu. Voilà. Dites-moi, Guanoline, est-ce que vous avez levé des freins et est-ce que vous en identifiez encore des, des freins, justement, dans ce milieu du jeu vidéo, qui vont peut-être parler à des gens qui nous écoutent et oui. qui nous regardent et qui vont se dire bah, Tiens, moi, j'ai cette conscience-là, je peux peut-être aider. Euh, les premiers freins, ils sont vraiment dès l'école, euh, dans le sens que euh, pour tout ce qui est autisme et troubles invisibles, euh, la plupart des professeurs ne sont pas formés à ça, voire même vont avoir une, une tendance, malheureusement, à exclure ces populations de l'école. C'est ce que moi j'ai vécu euh, bah, quand j'étais toute petite, euh, il y a 30 ans. Et, euh, et c'est des choses qui continuent en fait par ailleurs. Donc il y a un besoin d'être plus inclusif dans la société, mais à l'école déjà. Et puis dans le monde du jeu vidéo, on... c'est un peu paradoxal, parce qu'on a vraiment des profils qui sont atypiques. Qui sont recherchés justement pour leur créativité, etc. Et, euh, et pour autant, il n'y a pas forcément de diagnostic de posé et, et c'est OK. Donc, euh, c'est un peu une terre d'horizon où on peut se dire on peut quand même se lancer dedans et ça peut être recherché. Voilà. Des programmes comme celui qui démarre aujourd'hui euh, euh, et qui va se poursuivre dans, dans les jours qui viennent, euh, des clics numériques, c'est utile parce que justement, ça, ça répond aussi à cette, à cette errance hein, pour certains. Complètement. Oui, complètement dans, dans le sens que bah, quand on n'arrive pas à accéder aux études parce qu'on a des, des difficultés ou parce que l'école ne nous aide pas non plus là-dessus, euh, ça peut être effectivement une porte pour pouvoir euh, arriver euh, bah, à, se, à se donner satisfaction qu'on vaut quelque chose et qu'on peut faire des choses et que c'est très bien. Oui. Merci beaucoup. Merci, merci pour ce tout premier témoignage et pour ce premier rôle modèle, Gwendoline Garand. Merci d'avoir été avec nous ici dans le studio de merci. Google France. Je vous en prie, vous pouvez. Euh, allez Si je, je, je vous laisse repartir, évidemment. On, on est entre nous, vous savez. Euh, vous voyez, on est carrément, euh, dès le premier témoignage, au cœur, finalement, de, de la problématique. Et vous allez voir qu'il n'y a pas d'âge hein, pour vivre euh, ce que vit Gwendoline. Euh, Aujourd'hui, il y a besoin, clairement, de, de casser les codes pour que euh, les personnes en situation de handicap puissent trouver ou, ou retrouver, d'ailleurs, un travail. Et vous allez voir que pour ça, il faut euh, ouvrir de nouvelles voies. Je vais demander tout de suite à Christophe Roth, euh, président de l'AGFIP, de bien vouloir nous rejoindre. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, on va être clair, aujourd'hui, être demandeur d'emploi en situation de, de handicap, c'est euh, encore et toujours une, une double peine, on peut le dire comme ça Moi, je nuance le propos, ce n'est pas forcément une double peine. Effectivement, euh, le taux de chômage des personnes en situation de handicap aujourd'hui est euh, deux fois plus élevé que pour les personnes dites valides ou ordinaires. Euh, mais euh, une statistique prouve récemment que le taux de chômage des personnes en situation de handicap a diminué de 5 points en 6 ans. En clair, nous sommes passés de 19% de personnes en situation de handicap au chômage. Et les derniers chiffres qui viennent de paraître dans l'adresse, c'est 13% de personnes en situation de handicap. Donc c'est plutôt encourageant. Oui, parce que il faut le rappeler, les entreprises ont aussi tout un tas d'obligations et commencent effectivement à les prendre en considération. Pourquoi est-ce qu'il reste des freins Est-ce que c'est d'ordre psychologique Qu'est-ce qui fait que parfois, dans l'imaginaire collectif, le handicap peut être une barrière à l'emploi, y compris pour les personnes qui vivent ce handicap Mais Tout d'abord, je dirais, dans un premier temps, il faut savoir que beaucoup de situations de handicap sont dues à des handicaps invisibles. 80% des handicaps ne sont pas visibles. On a tendance, je dirais, à faire des raccourcis, à utiliser de biais euh, pour indiquer qu'une personne en situation de handicap est une personne à mobilité réduite ou en fauteuil roulant. Non, il y a six types de handicap un handicap psychique, cognitif, mental, les troubles sensoriels, les troubles auditifs. Et euh, je dirais, euh, il y a aussi. Je dirais une communication à faire autant en interne et en externe, et aussi à sensibiliser le collectif du travail, mais aussi les services des ressources humaines, pour que le sujet du handicap soit traité de la même façon que l'égalité femmes-hommes ou que la diversité. C'est aussi pour ça que c'est important d'avoir des programmes comme Déclic numérique euh, focalisés sur, sur la formation dédiée aux personnes en situation de handicap. Ça leur montre le champ des possibles. Tout à fait. Il y a deux ans, là, j'ai a par euh, des, des clics numériques, hein, diverses Days. Ça a été un coup de cœur, un coup de cœur Forcément. qui a permis, en fin de compte, eh d'apporter du concret, d'apporter également aussi, je dirais, des perspectives euh, dans un monde du travail qui évolue, qui change les conditions de travail. Qui, qui sont bousculés. On a pu le voir à travers la Covid, où beaucoup de personnes étaient en, en travail à distance, en télétravail. Et le numérique est quelque chose qui peut apporter de véritables opportunités pour les personnes en situation de handicap. Car comme vous l'avez relevé tout à l'heure, le taux de personnes en situation de handicap est de 13% au chômage. Et je pense, avec les opportunités, les, la multitude de métiers qui existent dans le, dans le numérique, eh bien que s'investir... Euh, au niveau de déclic numérique, en plus avec des partenaires tels que Google, avec Pôle emploi, eh bien, je dirais c'est du gagnant-gagnant et ça peut donner des opportunités à la fois pour les personnes en situation de handicap, mais également pour le monde de l'entreprise. On va les recevoir d'ailleurs, ces partenaires. Ils vont venir nous, nous parler tout au long de, de cette soirée. Merci beaucoup, euh, Christophe Roth, d'être venu euh, ici dans le, dans le studio de, de Google France. Je vous laisse évidemment euh, regagner et on va accueillir d'ici quelques instants euh, notre deuxième grand témoin, euh, vous allez voir, il y en a effectivement qui sont passés des paroles aux actes euh, avec, avec des clics numériques, euh, notamment euh, notre prochaine invitée. Je vous en prie, allez-y. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Euh, des clics numériques a été justement son tremplin. Quand elle se présente, devinez quoi, elle dit, je suis une des Avengers de ce programme. C'est dire si la formation a... En quelque sorte, décupler ses pouvoirs. Je vous demande, s'il vous plaît, de bien vouloir accueillir Lucie Rousseille. Notre Avenger du jour. Bonsoir, Lucie. Bonsoir, Raphaël. Étudiante, étudiante, concepteur, designer UI. Alors pour ceux qui veulent la traduction UI, c'est interface utilisateur, c'est bien ça. Exact. Étudiante. Oui, étudiante à 40 ans. Étudiante à cru. 40 ans. Ça y est, elles ont commencé les études. Dans une semaine. Dans une semaine. <laughs> pour faire quoi exactement Web designer. Web designer. Bon, le métier est plus connu sous ce nom-là. Qu'est-ce qui vous a donné envie à 40 ans, Lucie, euh, de, de vous diriger dans cette voie est-ce que vous étiez dans, dans le numérique Je ne crois pas. Hein. Pas du tout. <laughs> j'étais pas du tout dans le milieu du numérique. Euh, j'ai, je me suis très vite ennuyé à l'école et euh, j'ai emprunté une voie plutôt facile euh, parce que euh, voilà, j'étais, je décidais pas vraiment de ce que je voulais faire à l'époque. Je me suis laissé guider, on va dire. Et du coup, j'étais dans l'immobilier. En revanche, il y a quelque chose qui, que j'ai toujours fait. J'ai toujours été une correspondante informatique locale, officieuse, <laughs> dire. une cile officieuse. D'accord. C'est-à-dire que la moindre occasion d'aider mes collègues, je sautais dessus, Alors, souvent pour des problèmes informatiques. Donc, euh, sans le savoir, j'avais une appétence naturelle pour ça, je crois bien. Donc, il y avait une appétence naturelle, mais sans avoir fait d'études spécifiques dans, exact. dans cette filière-là Pas du tout, puisque j'ai un bac pro secrétariat. Oui, donc, rien à voir. Rien à voir. J'ai fait 20 ans d'immobilier et d'assurance, donc absolument aucun lien avec le numérique initialement. Alors, quand on, quand on s'ennuie, parce que manifestement, c'était le cas dans, dans son travail, on fait quoi On décide de tout plaquer Qu'est-ce qui se passe Alors, à un moment donné, euh, j'ai eu plusieurs challenges. J'ai fait plusieurs métiers, notamment le dernier euh, assistant de direction qui était, qui était très actif. Euh, mais je n'avais pas vraiment le temps de réfléchir à, à ce que je voulais vraiment faire. Et, euh, et à un moment donné, j'ai euh, fait un examen médical qui euh, a fait qu'on qu m'a demandé de m'opérer assez rapidement. Cet examen médical, je vais en parler parce que je n'ai pas de crainte à en parler et que ça concerne les femmes. C'est euh, une opération assez lourde pour de l'endométriose. Et euh, c'est ce à, suite à quoi je suis devenue RQTH. Et euh, c'est... C'est important d'en parler quand même parce que euh, c'est assez souvent laissé en on va dire en, en sommeil. Euh, on est des femmes, on souffre, c'est normal. Ben non, en fait. Euh, et euh, d'ailleurs, j'aimerais bien préciser que si jamais on a un doute euh, ou quoi que ce soit, c'est quand même important de, de faire, même ne serait-ce qu'une IRM. Insister, c'est important pour euh, pour pouvoir déceler la maladie parce que ça peut se terminer parfois de, de manière dramatique. Et on est tous entourés de femmes, nos mères, nos amis, nos, nos cousines, pour euh, pour que justement ce message soit relayé. Oui, c'est important. Vous avez raison de le faire parce qu'il y, y a énormément de, de femmes qui sont en, en errance de, de diagnostic. Alors Exactement. cette maladie, justement, et, et ce diagnostic qui a été posé, ils vous font prendre conscience en quelque sorte qu'il faut changer les choses dans votre vie. Alors j'en ai pas pris conscience immédiatement. Euh, simplement, on a posé le diagnostic, on a posé les dates des opérations. Euh, et je savais que ça allait changer ma vie. Je, je savais qu'il y avait un avant-après euh, opération. Et puis d'ailleurs, le destin en a profité pour euh, poser mon âme sœur là. À ce moment-là, <laughs> au moment le plus inattendu, j'ai été soutenue dans cette opération par ma famille, par mes amis. Et euh, c'est après une, une mûre réflexion euh, et euh, une rupture conventionnelle aussi euh, que euh, je me suis dit qu'est-ce que je veux vraiment faire aujourd'hui de, de ma vie qu Est-ce qu'il n'est pas temps de se remettre en question à 40 ans après plusieurs échecs de, de PMA aussi, euh, parce qu'on s'était lancé dans le projet avec mon conjoint, et je me suis dit, bon, là, il est temps de, se, de tirer la sonnette d'alarme, parce qu'effectivement, euh, comme vous l'avez précisé, euh, il y avait un peu d'ennui dans mon métier, même si tous mes métiers m'ont appris quelque chose. Hein. C'est important de, de le dire quand même, parce que justement, c'est des expériences qui m'ont servi à arriver où je suis aujourd'hui. Et du coup, j'ai tiré la sonnette d'alarme et j'ai appelé ma super conseillère pour l'emploi, parce que j'ai une super conseillère pour l'emploi, c'est important de préciser. Ouais, vous faites bien <laughs> Et qui m'a beaucoup aidé dans ma recherche et du coup qui m'a envoyé faire un actif projet, une sorte de petit bilan de compétences, duquel sont ressortis trois trois choix majoritaires, donc la nature, les animaux et le numérique. C'est là que se fait le, le déclic, si j'ose dire. Le, tout à fait, c'est vraiment le mot puisque c'est suite à ça que je participe au déclic numérique après avoir fait un webinaire qui m'a déjà introduit dans le dans, dans cette dans ce domaine qui m'a tout de suite intéressée. Euh, et du coup, euh, j'ai fait un petit webinaire juste avant les déclics quand même, avec, euh, la, où Mathilde Gauthier de la Rocket School participait. Et j'entends cette phrase où elle dit, venez euh, comme vous êtes. <laughs> en gros, vous êtes une femme, il manque des femmes dans le métier. Venez, c'est fait pour vous, euh, même sans, sans, peu importe votre horizon, peu importe vos diplômes. Et là, je me suis dit, waouh! Et c'est ensuite que j'ai eu le déclic numérique, le vrai, en, en m'inscrivant à, à cette fabuleuse aventure. Ça veut dire que ça décomplexe, en fait, ce message de, euh, de la Rocket School. C'est euh, finalement, je peux y aller moi aussi. Oui. J'ai fait une enquête d'ailleurs formation à ce sujet avec elle. Avec, euh, ça faisait partie de mes exercices d'active projet. Et, euh, et je lui ai dit, j'ai 40 ans. Euh, je suis RQTH en PMA. Est-ce que je suis vraiment faite pour retourner à l'école? Et elle m'a dit, oui, bien sûr. Donc là. Euh, ça décomplexe. Ça décomplexe complètement. Le message, c'est quoi euh, On a tous peut-être la possibilité de faire comme vous. Euh, Exactement. Et, et de, de tenter des clics numériques Et oui, oui puisque j'ai 40 ans, j'ai un bac professionnel secrétariat, je n'ai jamais été dans le milieu du numérique. Et je suis de RQTH. QTH. Donc, euh, bon, je, si j'arrive à atteindre une formation, euh, n'importe qui peut, peut y arriver, <laughs> à mon sens en tout cas. <laughs> En tout cas, ça ne fait que commencer dans, dans ce métier du numérique, puisque euh, vous allez rejoindre la semaine prochaine les, les bancs de l'école, et puis après, après ce sera euh, un vrai job dans ce milieu qui. Oui. Qui vous fait un appel du pied quand même Un gros appel de pied, ouais, ouais. pas mal d Une destinée, une, un alignement qui se fait naturellement depuis que je suis rentrée dans cette aventure. Merci beaucoup, Lucie. Merci à vous, Lucie notre deuxième grand témoin. Je vous laisse évidemment Merci. Euh, repartir. Merci, euh, Lucie. On, on va prendre, si vous le voulez bien aussi, quelques minutes, évidemment, pour euh, pour mieux comprendre hein, finalement comment est né euh, déclic numérique et surtout comment le, le programme fonctionne. Car vous êtes en train peut-être de vous dire « j'ai entendu les témoignages, mais est-ce que je coche bien les cases Est-ce que ça peut me convenir ?» Eh bien, on va voir tout de suite, par exemple, comment euh, s'est déployée une des neuf précédentes éditions. On part pour la Martinique. Suivez le guide. Hello et enchantée. Je me présente, je m'appelle Iris, je coordonne le programme d'équipe numérique pour l'association DiversiDays. Et s'il si, y a quelques mois, on m'avait annoncé qu'on partirait en Martinique et que je me filmerais en train de le faire, j'aurais bien rigolé. Et finalement, nous voilà. Et je vous amène avec moi. C'est parti. On retrouve la clique Diversity Days qui va m'accompagner et m'aider à déployer le programme des clics numériques sur place. Je suis convaincue que le programme pourra aider plein de bénéficiaires à trouver leur voie dans un des métiers du numérique. Après tout, on est là pour ça c'est vrai que c'est la première fois que le programme est déployé en dehors de la France métropolitaine et je suis donc trop contente de pouvoir lancer ce dispositif dans les dom -toms. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Déclic Numérique, c'est un programme gratuit, rapide et 100% en ligne pour accompagner les demandeurs d'emploi vers les métiers du numérique. Aujourd'hui, c'est le lancement officiel de Déclic Numérique Martinique avec 28 partenaires. On retrouve les geeks qui s'activent côté régie, le coach qui martyrise les talons qui prendront la parole sur scène, papa et maman Days qui vérifient les derniers détails, les magiciennes de la com qui préparent le tout pour faire rayonner l'événement au-delà des frontières, et enfin moi qui en profite pour mener toute l'équipe à la baguette. C'est super important de montrer ces personnes qui se sont reconverties car ce sont des rôles modèles pour le public. Ils peuvent inspirer d'autres personnes par leur parcours, leurs expériences, c'est juste génial. On continue aujourd'hui avec le démarrage des premiers ateliers du programme Déclic numérique. Là, toute l'équipe est sur le pont pour répondre aux bénéficiaires. Comme le programme est 100% numérique et que tout le monde n'est pas forcément super bien équipé pour suivre le parcours, on propose aux bénéficiaires qu'ils souhaitent de suivre certains des ateliers chez les partenaires locaux. On met tout en place pour que ce soit accessible pour tout le monde et puis en plus, c'est l'occasion de se rencontrer. En tout, plus de 120 personnes ont participé à Déclic numérique Martinique. Le programme a duré 8 jours. On en retient une énergie débordante des participants et beaucoup d'envie. Le numérique est en pleine expansion sur ce territoire. Il y a des besoins reste à faire en sorte que tout le monde puisse bénéficier de ces opportunités. J'espère qu'on aura l'occasion de revenir très bientôt et de déployer le programme dans un maximum de régions. À très vite Et même à tout de suite, puisque on est dans une autre région, c'est la dixième, et euh, c'est le dixième déclic numérique. Et si vous n'êtes pas encore convaincu, eh bien, c'est maintenant que ça se passe, parce que nous accueillons les deux chefs de projet, euh, Aminata Diaby et Manel Wadoubi Bonsoir à toutes les deux. Vous allez tout nous dire, tout nous dire, euh, notamment en quoi c'était important, peut-être de de faire pour cette édition du, du sur-mesure dans ce programme pour les personnes qui sont en, en situation de handicap. Il y avait une sorte de, de zone grise, peut-être Alors euh, oui, tout à fait. Donc il y a un constat qui a été fait dans les métiers euh, du numérique. Donc euh, on a remarqué qu'il y avait euh, qu'il avait pas des populations comme les femmes, euh, les personnes sortant des quartiers prioritaires de la ville et également euh, les personnes euh, en situation de handicap. Donc euh, pour nous c'était important. Euh, de lancer euh, cette édition-là à l'occasion de la Semaine européenne euh, pour l'emploi des, euh, des personnes handicapées, j'ai réussi à le dire. <laughs> et euh, et donc, euh, donc voilà, donc on repart pour deux semaines euh, avec euh, du coup euh, tout le monde. Donc c'est pas seulement pour les personnes en situation de handicap, mais c'est plus focus euh, sur eux pour cette édition. Ça veut dire que le, le programme est adapté et, et si oui, comment Comment est-ce que vous avez fait ce fameux sur-mesure alors, en effet, on a fait en sorte que ce programme, pour le coup, soit adapté donc, à tous les, tous les publics. Donc, euh, comme à son habitude, le programme est accessible donc, 100% en ligne depuis notre, notre plateforme, donc la plateforme déclic-numérique.com, tout au pluriel. Et donc, euh, voilà, vous pouvez, enfin en tout cas, les participants peuvent assister à tous les ateliers depuis la page Atelier dédié. Euh, voilà, donc les ateliers sont accessibles en live depuis cette page et également en replay pour les personnes qui ne pourraient pas y accéder donc, euh, en direct. Et ça, c'est une des façons euh, dont on, on essaie en fait, d'adapter ce programme, de permettre à chacun d'y voilà, assister à sa convenance en fonction de son emploi du temps. Et voilà, c'est un programme euh, qu'on met à disposition avec euh, tout ce qui est sous-titrage, euh, donc, euh, donc la vélo pour faire en sorte que les personnes sourdes et malentendantes puissent euh, accéder à ce contenu. Donc voilà, sur la plateforme. Et du coup, comme je le disais, voilà, les horaires ont été... Enfin, euh, on a fait un petit effort pour aménager un petit peu les horaires, permettre à chacun de pouvoir y participer. Et du coup, cette euh, option de visionnage en replay qui permet vraiment de, voilà, à chacun d'y de, de, assister, d'y participer comme il le souhaite. On a le cadre là, mais moi, j'ai envie de savoir, et ceux qui nous écoutent et qui nous regardent aussi probablement, qu'est-ce qu'il y a dans, dans ce programme euh, Et, et est-ce qu'ils peuvent, quel que soit d'ailleurs euh, leur handicap, euh, recevoir cette, cette formation alors oui, euh, du coup il y a une petite nuance entre, entre formation et programme. Donc en fait ce programme ouvre à des formations, euh, là où tu as raison Raphaël, et euh, à des offres d'emploi. Donc euh, c'est une semaine, euh, semaine d'atelier répartie sur deux semaines. Et en fait euh, on vous propose plusieurs choses comme, euh, comme avoir accès euh, à, à ce que c'est les métiers du numérique. Il y en a formations. 800 hein, quand même des métiers oui. du de numérique. Donc, <laughs> on euh, essaie d'englober tout. <laughs> on essaie de faire le maximum. Euh, vraiment, les outils du numérique comme euh, la suite Google, par exemple. Euh, vraiment, on essaie de, de tout donner à ce niveau-là pour que ce soit vraiment euh, complet comme programme. Et en fait, à l'issue de ce programme, il euh, y a un, un forum d'orientation et de recrutement où il y a des offres d'emploi et euh, des offres de formation. Euh, pour les personnes que ça intéresse. Alors, ça commence euh, dès demain. En tout cas, demain matin, 9h, euh, il y a des rendez-vous hein, pour ceux qui, euh, euh, qui ont besoin d'une petite piqûre de grappel. Et après, tout est en ligne Exactement, merci de le rappeler. Du coup, voilà, on donne rendez-vous aux participants dès demain matin. Donc, euh, l'ouverture, on va dire, de la journée d'atelier, ça se fera tous les jours comme ça d'ailleurs, se fait avec un, un petit moment d'échange, du coup, avec l'équipe euh, des clics numériques. Donc, euh, ça permet vraiment de répondre à toutes les questions qui pourraient euh, survenir chez nos participants et, voilà, permettre à chacun de vraiment euh, assister à ce, à ce programme euh, confortablement. Et donc, voilà, on invite euh, les participants à assister à des ateliers tous les jours, euh, en fonction de leur emploi du temps, comme je disais, en live en replay, aider euh, voilà. demain du coup. Merci, merci à toutes les deux pour, pour ces précisions. Alors s'il y en a encore qui se posent des questions, le mieux pour vous convaincre c'est peut-être tout simplement d'aller frapper à, à la porte d'un des partenaires, en l'occurrence Pôle emploi, partenaire historique de diversité Ce qui suit devrait vous permettre de lever les toutes dernières hésitations. Ah, je dirais, il faut savoir décoder les métiers, mais les métiers, il euh, y en a beaucoup, et pas que du code. On va retrouver du marketing, on va retrouver de la création graphique, évidemment du code, du développement, mais il n'y a pas que ça. Alors, les formations peuvent être certaines fois effectivement relativement chères, mais sachez qu'elles sont souvent prises en charge, soit par Pôle emploi, soit par la région, soit par les services publics, et là, il faut se renseigner. Croissant. Mmh, pas forcément avoir fait de longues études, il faut surtout être passionné, il faut préparer son projet et on peut tout à fait par la passion, par une habitude, à venir vers ses métiers, et c'est pas forcément lié à de longues études. Alors la reconversion peut prendre du temps, il faut bien réfléchir son projet, faut réfléchir au métier, rencontrer des professionnels et après faire des formations qui sont certaines fois relativement courtes, 300, 400 heures, c'est possible aussi. Mais pour cela, aller voir avec diverses idées, c'est une belle première étape pour aller plus loin. Et c'est bien vrai, c'est une belle première étape, effectivement, euh, euh, que cette, euh, ce programme, hein, cette offre, euh, peut-être pour vous, euh, cette offre diversité avec ce programme Déclic numérique. Si vous êtes connecté ce soir avec nous pour, euh, pour découvrir euh, justement ce qu'est Déclic numérique, c'est aussi parce que euh, vous vous attendez à ce qu'on vous démontre que oui, c'est possible et vous vous en doutez, rien ne vaut la force de l'exemple. C'est notre. Troisième grand témoin qui nous a rejoint et qui va, je l'espère, peut-être finir de vous convaincre parce qu'avec Vibia, euh, elle a voulu répondre à un besoin en créant une solution, solution de transport pour les personnes en situation de handicap parce que, oui, vous allez voir que c'est plus compliqué euh, de se déplacer, que ce soit en transport public ou euh, dans les transports privés. Et quand on lui dit qu'elle fait partie de la tech, eh bien, devinez quoi Elle est surprise. Et pourtant, elle fait partie de la tech, puisqu'elle a même été French Tech Tremplin. Euh, C'est tout de suite euh, Raja, Raja Elarak qu'on accueille. Bonsoir Raja. Bonsoir. On est ravis d'être avec vous. Euh, vous avez créé Vibia, alors ça s'écrit V-E-E-B-Y-A. Oui. Euh, on expliquera peut-être tout à l'heure pourquoi ça s'appelle comme ça, parce qu'il y a une petite subtilité. Euh, comment est-ce que vous est venu l'idée de, de créer justement cette, cette appli alors, bah, comme vous pouvez le voir, moi je suis en situation de handicap, donc je me déplace avec euh, un fauteuil volant qui, euh, qui qui vient costaud et présent. Euh, du coup, pour me déplacer, j'ai prouvé énormes difficultés parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, en fait, la, les transports en commun, de manière générale, ne sont pas très accessibles. Par exemple, pour donner des exemples, euh, euh, sur le métro parisien, on va avoir une ligne qui est accessible sur, euh, sur les 14, qui est la ligne 14, la dernière qui a été faite. Euh, en termes de réseau ferré, on est sur 38% de, 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 de gares accessibles en ile de france ce qui fait que ça devient très compliqué quand on veut se déplacer au quotidien et quand on veut se retourner vers le privé, c'est-à-dire les taxis ou les VTC, choses aujourd'hui très démocratisées. En fait, on a autant de, on a plus de difficultés, parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a très peu, de voire, vraiment très très peu de sociétés qui, qui créent des prestations à des personnes en situation de handicap. Et quand ils le font, ben finalement, en fait, on compte la, la flotte à nos dispositions un peu sur le bout des doigts. Et pour donner un petit exemple, euh, euh, Uber aujourd'hui, il a euh, moins de 20 véhicules en, en, euh, à Paris et qui sont accessibles que de Paris. Ouais, ça veut dire qu'il y a euh, accessibilité et accessibilité et qu'en fonction, finalement, du, du handicap, euh, ben on se retrouve dans une situation encore plus compliquée. Ben en fait, c'est ça exactement. Ben, de mon cas, moi, par exemple, il me faut absolument un véhicule avec une rampe d'accès. Donc, euh, si je n'ai pas de véhicule avec une rampe d'accès, je ne peux pas euh, euh, emprunter un, un transporteur. Après, il y a d'autres difficultés. Il y a, par exemple, euh, on peut avoir un chien guide. Et ça, notamment, c'est quelque chose qui, qui, qui peut être aussi refusé par un certain chauffeur parce que ça peut être salissant, etc. On peut avoir des personnes peut-être qui ont besoin des lignes particulières parce qu'ils vont avoir un matériel médical, etc. Et certains chauffeurs, ne sachant pas comment euh, euh, s'y prendre face à ce type de, de, de prestations, bah, refusent tout simplement la prestation, la prestation pardon, et ça crée un peu de la frustration chez les personnes. Ce qui fait que vous avez en fait identifié des besoins que, que vous, vous connaissez Exactement. et vous vous êtes dit, il faut construire une, une proposition, une solution. Tout à fait, tout à fait, c'est ce qui s'est passé. Nous, ce qu'on s'est dit, qu'on va créer... Une plateforme qui va en fait regrouper le maximum d'acteurs que prennent en charge les personnes en situation de handicap. Donc, l'idée, c'est de centraliser l'offre en fait, au sein d'une même plateforme pour la rendre accessible aux personnes qui en ont besoin. Donc, aujourd'hui, en fait, on va retrouver des VTC, des taxis, des transporteurs spécialisés. L'idée, en fait c'est de développer une application euh, qui soit accessible à tous notamment à des personnes qui ont euh, euh, des déficiences visuelles. ça on a fait très attention d'avoir euh, qu'elle soit accessible à, à aujourd'hui ce qu'on appelle euh, euh, VoiceOver pour euh, l'iOS et euh, TalkBack pour, 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 pour l'Android. En fait c'est une option d'accessibilité qui permet de lire l'écran. En fait et nous derrière en fait on a adapté l'application pour qu'elle soit lisible par ce type d'options. De, 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 du coup, en fait, aujourd'hui, on, euh, on a une application accessible, on a des options précises parce que nos clients, comme je disais tout à l'heure, ils ont des besoins précis. Hein, on peut avoir un fauteuil, mettre un médical, etc. Et surtout, on a fait des chauffeurs qui sont euh, formés et sensibilisés, du coup, qui sont prêts à accueillir ce type de public. Mais alors, attendez, moi, je ne comprends pas. Avec tout ce que vous venez de me raconter, comment est-ce que vous arrivez à me dire « je suis pas dans la tech ». C'est vrai que quand je dis que je fais pas de la tech, euh, on, on se dit, ouais comment ça se fait. Mais en fait, de base, on va dire que moi, de mon parcours, il, est, il a été orienté euh, gestion. Ce qui fait que j'ai pas, euh, euh, pas fait de l'informatique en soi. J'ai pas fait de, je suis pas codé ni quoi que ça. Mais on va dire mon métier se rapproche peut-être du métier de, de, de et moi, c'est-à-dire que je suis du côté métier et c'est-à-dire que j'établis un cahier des charges que je, que je transmets à mon développeur, que lui en fait le traduit avec euh, en codant euh, sur, euh, sur bah, son ordinateur. Ça veut dire que finalement, vous avez découvert, euh, en essayant de trouver ces solutions, vous avez découvert des métiers dans la tech que vous ne soupçonniez pas. Euh, vous avez été aiguillé aussi, on, on vous a aidé, mais, mais vous êtes rentré de plein pied dans, dans, dans cette filière. Oui. Oui, oui c'est vrai. Non, non mais c'est vrai, vrai qu'en fait, quand on pense à la tech, on a l'impression que c'est du codage, enfin, que c'est du codage, c'est être développeur. Mais c'est vrai qu'il y a plein de métiers, notamment, ne serait-ce que par exemple, les réseaux sociaux, être community manager, c'est du numérique. Et euh, clairement, c'est aussi mon quotidien. Donc oui, en effet, j'ai je, je beaucoup, de, 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 beaucoup de métiers dans, dans le numérique, alors que je n'ai pas l'impression. Et vous êtes, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes French Tech Tremplin. Oui, cette année, on a, eu, on a, eu, euh, 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 on a été lauréat euh, avec d'autres personnes. On est fait euh, lauréat French Tech. Et on est très, très heureux parce que c'est un réel coup de pouce. Parce que du coup, ça nous a permis aussi d'être incubés dans un incubateur impact social. Parce que solution, elle est euh, impact social. Et en même temps, euh, on, a, on a eu une super subvention qui nous aide à améliorer notre, notre application. Euh, et et euh, du coup, on est vraiment très ravis. On en est avec euh, Vibia parce que c'est important. Hein, on on l'a peut-être pas rappelé, mais il y a bientôt les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques, et ça, euh, ça veut dire qu'il va falloir accélérer. C'est exactement ça. Oui, en effet, on attend plus de 350 000 personnes en situation de handicap euh, à Paris. Et pour ça, on aimerait bien, enfin, on espère vraiment qu'on sera prêt à ce moment-là. Là, là aujourd'hui, nous, on a lancé notre application au mois de juin. On a fait un, ce qu'on appelle un lancement bêta-test parce que c'est une chose de tester l'application en interne et c'est complètement autre de la tester avec des personnes qui ont différents types de téléphones différents types d'approches en fait. Et ce qui fait que là, on l'a lancé il n'y a pas si longtemps. On est très content parce qu'on a, a une centaine de chauffeurs qui sont inscrits euh, sur la plateforme, plus de 400 personnes aussi qui sont portées volontaires pour tester avec nous. Donc, on est vraiment content. On, est, on se dit que, que ça a du sens et, euh, et on est vraiment ravis. Il y a des, des gens qui nous écoutent, qui sont derrière leur écran, qui nous suivent en live ici euh, dans, dans le studio de Google France, euh, qui sont jeunes, qui sont moins jeunes, euh, et qui se disent euh, euh, est-ce que je peux me réorienter Est-ce que c'est est vraiment pour moi Qu'est-ce que vous pourriez leur dire J'ai envie de dire bien sûr que vous pouvez orienter. Moi, moi, moi je trouve qu'il n'y a, 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 a pas d'âge, il n'y a, a pas de critère qui, qui, euh, qui fait que que, qui peut nous empêcher en de fait, nous orienter euh, vers le métier numérique et en plus les métiers de demain concrètement enfin, il y a la moitié des métiers qu'on ne connaît pas aujourd'hui qui vont être disponibles euh, enfin qui vont euh, pardon être créés dans, dans, dans les années qui viennent donc faut vraiment je pense pas louper le coche en fait euh, euh, du numérique au contraire il faut foncer. Eh oui, l'imagination est au pouvoir hein, en ce moment. Merci beaucoup, uh, Raja, ben, Alarak, merci pour, uh, pour uh, cette solution que vous avez inventée Avec uh, via V-E-E-B-Y-A. Uh, et on ne spoil pas, on ne dira pas pourquoi ça s'appelle voilà ça. Voilà, euh, Venez, viendrez nous, nous, nous en, en parler. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Je vous laisse repartir, Raja. Et évidemment, euh, ce programme déclic numérique, euh, c'est cette ambition de, de faire changer les choses, elle ne serait pas possible euh, pour diversifier sans les partenaires, les partenaires de toujours, ceux qui sont là depuis le début et qui croient en fait hein, euh, dans ce que fait l'association euh, qui aura bientôt cinq ans, euh, partenaires qui sont importants, qui sont même essentiels dans ce dispositif. Je vous demande tout de suite d'accueillir Valéria Hirsch, qui est chargée de mission RSE chez Soprasteria. Bonsoir Valéria. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors. Soprasteria, on va peut-être tout simplement commencer par dire ce que c'est, parce qu'il y en a qui ne, qui ne vous connaissent pas. Euh, c'est un des, des leaders en Europe en matière de conseil de services numériques et, et d'édition de, de logiciels. Euh, vous affichez, c'est d'ailleurs euh, noté sur votre site, hein, une conviction, c'est que le, le numérique, finalement, euh, c'est une source d'opportunité, une source de progrès aussi euh, pour tous. C'est que, euh, finalement, quand, euh, quand ces choses-là sont associées à l'humain, ça crée un cercle vertueux, ça bénéficie à, à la société dans son ensemble. Et c'est cette notion inclusive de, de collectif que, que vous défendez finalement aujourd'hui Oui, tout à fait. Euh, pour nous, le numérique, c'est vraiment un levier euh, d'égalité de, des chances et d'inclusion sociale. Et c'est pour ça que nous sommes un groupe très engagé euh, dans tous ces sujets. Vous avez développé un projet avec, avec l'association diversité Vous avez aussi signé un partenariat dans le cadre de, de ce programme, Déclic Numérique. Je crois que c'était en mai 2021, le, la signature. Comment est née l'idée de, de cette collaboration et quel était finalement l'objectif derrière Alors, euh, l'idée est née d'une rencontre entre la directrice RSE de Soprasteria, Consolo et euh, le cofondateur de Diversity Days, euh, Anthony Babkin. Et euh, l'objectif était de euh, essayer de recruter plus de diversité euh, et des profils euh, plus variés et d'horizons euh, complètement divers euh, pour euh, euh, nous servir justement de cette idée du numérique inclusif. Oui, pour parce ça... que vous, avez, vous recrutez énormément de monde. Hein. Je crois que l'année dernière, vous avez recruté plus de 2700 personnes. Donc vous avez besoin de, de gens qui viennent travailler avec vous. Et c'est possible aussi de, de gens qui viennent euh, dans cette filière, de personnes en situation de handicap. Euh, oui. Euh, alors, nous recrutons tout type, de, tout type de profil. Alors, sur les chiffres, je ne suis pas chargée des recrutements, du coup, je ne pourrais pas vous euh, confirmer ce chiffre. Mais euh, l'idée, c'était de créer euh, une espèce de passerelle un peu VIP pour... Euh, des, des personnes qui sont issues du programme des numérique et leur proposer justement cette formation en alternance euh, qui euh, donne lieu à un, à un certificat euh, de, de concepteur-développeur d'application euh, et euh, de, de faire une promotion de 15 personnes en partenariat avec les frais et avec euh, Diversity Days. Ça veut dire que ça y est, cette première promotion, euh, elle, est, euh, elle est lancée, euh, cette, euh, cette alternance, ça y est, ça ça commence, ça démarre Oui, ça devrait démarrer au premier. La formation devrait démarrer au premier trimestre 2023. Nous sommes prêts pour pour accueillir, pour vous accueillir. Oui, ils sont euh... là, ils nous écoutent, hein. ils sont derrière euh, derrière l'écran, donc. Euh... Euh, avis euh, à ceux qui sont intéressés par, euh, par la mmh. formation. Il y, a, il y a des choses à savoir justement sur cette Alors, formation Alors, oui, il y a des critères d'éligibilité. Il y a quatre critères principaux. Le premier, c'est d'être titulaire d'au moins un bac plus deux euh, d'être éligible, éligible euh, à un contrat d'alternance, c'est-à-dire avoir moins de 30 ans ou bénéficier d'une dérogation euh, être mobile en île de france puisque euh, la formation a lieu euh, à les frais et dans nos locaux euh, à la Défense euh, et euh, bien sûr être motivé à avoir envie de travailler dans le numérique. Évidemment, évidemment. Euh, comment on fait pour, pour candidater si on a envie de, de venir vous euh, peut-être vous, vous voir et qu'on a envie de travailler avec vous C'est très simple. Euh, vous avez dans le chat le lien d'inscription euh, qui vous est mis à disposition. Vous pouvez tout de suite vous inscrire, sachant que les, on, les inscriptions sont ouvertes jusqu'à la mi-novembre, ou vous, vous mettre en contact avec les équipes Diversity Days. Merci, merci beaucoup Valéria. Merci, merci de, de soutenir évidemment ce, ce projet et d'être euh, autant engagée aux côtés de, de diversité. Je vous laisse évidemment euh, repartir. Euh, on, on va continuer à, à dérouler cette, cette soirée avec vous qui nous suivez en, en live ici euh, dans le studio de, de Google France. Déclic numérique, en deux ans, vous allez le voir, a réussi à séduire de, de nombreux partenaires. Et ils croient tous à la fois en la tech et en la diversité. Vous allez voir, ils ont un message pour vous ce soir. Les French Tech 120, qui sont les 120 plus grandes entreprises de la French Tech, ont recruté 22 000 personnes en 2022. Pourtant, toutes ces startups peinent à recruter. Il y a donc une véritable pénurie de talents, mais aussi une véritable opportunité pour tout un chacun. Et donc, c'est pourquoi nous sommes très fiers d'accompagner une initiative comme celle de Déclic Numérique. Déclic Numérique, c'est un tremplin. Pour vous faire découvrir toutes les opportunités d'orientation pour vos futurs métiers. Il existe plus de 800 métiers dans cette famille du numérique et on serait très heureux de vous les faire découvrir. Tous les coachs Google Atelier Numérique sont mobilisés pour vous apporter les compétences numériques pour votre recherche d'emploi ou votre reconversion. Chez Orange, nous voulons féminiser ces métiers, donner la place à chacune d'entre vous pour faire du numérique votre tremplin professionnel. Nous avons besoin de talents dans la tech. Nous voulons absolument contribuer à les faire émerger de partout, peu importe leurs origines sociales, leur genre ou leur lieu de naissance. Le GFIP s'est engagé aux côtés de divers idées pour permettre à tous les talents, peu importe leur handicap, de se faire une place, une belle place dans ces métiers porteurs d'avenir. Chez CGI, l'inclusion, ce sont des actes et des engagements pour ouvrir nos métiers à plus de diversité. Des femmes, des hommes, en situation de handicap ou non, avec des parcours de vie différents. Pour CGI et pour Diversity Days, vous êtes unique et ça nous plaît. Vous allez bénéficier de l'expertise des équipes Tech et RH d'Axa France pour vous permettre de découvrir les métiers et les formations du numérique. Trouver son futur employeur, se faire référencer sur LinkedIn, calibrer son profil pour convaincre un recruteur. Voilà notre rôle au sein de ce programme. créer son business en ligne, vous faire découvrir les leviers du e-commerce. Shopify sera là pour ça, aux côtés de Déclic Numérique. Bienvenue dans la nouvelle édition de Déclic Numérique. J'espère que votre expérience en ligne sera agréable. Nous sommes très fiers d'y avoir participé aux côtés des équipes de diversité. Cette année, on a une surprise pour vous, puisque les recruteurs ont décidé d'accueillir 16 futurs alternants pour rejoindre les rangs Sopastéria. Et les former au métier du code. Je vous dis à très vite et excellent déclic à toutes et à tous! Eh oui, dixième, dixième édition, hein, puisque vous le savez, Déclics Numériques se balade un petit peu partout en France. Et aujourd'hui, c'est peut-être pour vous euh, que Déclic Numériques va euh, sonner à la porte, tout simplement. Vous allez peut-être avoir, vous aussi, ce, ce fameux Déclique numérique. Euh, déclic que notre prochaine invitée a eu. Euh, assez tôt parce que euh, il est passionné par euh, l'intelligence artificielle il est aussi passionné figurez-vous par la voix et ce depuis tout petit euh, il est curieux notre prochain invité il, euh, il a voulu euh, Comprendre comment la voix fonctionnait, comment euh, cet outil de communication euh, euh, fonctionnait. Euh, et pour ça, eh bien, euh, il a décidé de, de créer quelque chose, euh, créer euh, un outil lui aussi. Et cet outil s'appelle Vocacoach. Coach. Euh, sa maladie génétique ne l'a pas vraiment freiné. La preuve. Je vous demande d'accueillir Yanis, Yanis Tevissen. Bonsoir, Yanis. Bonsoir. On est ravi de, de vous avoir. Euh, pourquoi est-ce que vous vous êtes passionné autant pour la voix Parce que c'est quand même particulier. Bah c'est vrai que pour moi, la voix, c'est un outil assez formidable. Euh, c'est un outil qu'on utilise tous les jours, euh, que quasiment beaucoup de personnes utilisent. Euh, ça a plusieurs aspects. Il y a un aspect euh, très vocal avec euh, les fréquences, les intonations de la voix qu'on va utiliser. Il y a un aspect plus sémantique, euh, le choix des mots, euh, quel message est-ce qu'on veut faire passer lorsqu'on parle. Et enfin un aspect bien sûr euh, visuel avec les sourires, les expressions faciales, les petites mimiques qu'on peut avoir quand on parle. Et c'est vrai que je trouvais ça passionnant et vraiment très intéressant. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de l'étudier et de travailler là-dedans. Alors ceux qui nous écoutent sont en train de se dire mais comment est-ce qu'il a fait pour en arriver là euh, C'est quoi le, le parcours de Yanis Alors moi assez logiquement j'étais passionné de maths, de sciences de tout ça, donc je suis allé vers des études scientifiques. Après le bac, j'ai fait une prépa scientifique et ensuite une école d'ingénieur. C'est là que j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui est numérique, à l'informatique et en particulier à l'intelligence artificielle. Donc, voilà, c'est un, un parcours assez linéaire dans les sciences, les maths et l'informatique. Oui, enfin linéaire euh, si on veut, hum. parce que euh, finalement, quand on décide d'embrasser un, un parcours scientifique, on, on peut choisir hum. tout un tas de choses. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un déclic sur la voie, sur l'intelligence artificielle Pourquoi, Pourquoi cette direction-là Pourquoi cette direction tech et pas une autre bah C'est vrai que la, la tech, c'est un domaine qui est assez jeune, euh, qui évolue beaucoup. Euh, toutes les deux semaines, quasiment, euh, il y a une nouvelle technologie, un nouvel article scientifique qui va venir vraiment changer la donne. Et moi, ça me plaisait d'étudier et de travailler dans un domaine qui bouge aussi rapidement d'arriver à suivre tout ça, à le faire évoluer aussi à ma façon. Donc euh, voilà, c'est pour ça que je me suis orienté vers ça. Est-ce que dans, dans votre parcours, Yannis, vous avez euh, identifié des, des freins qui étaient liés euh, à votre handicap Oui, bien sûr. Bah, donc, vous vous l'avez vu, j'ai un, un handicap moteur. Euh, donc Je suis en fauteuil, j'ai assez peu de force euh, dans les muscles. Donc il y a un certain nombre de gestes que je ne peux pas faire seul sans aide. Donc c'était principalement des soucis de mobilité, où euh, pour accéder à certains endroits, euh, pour euh, faire certaines tâches, j'avais besoin qu'on m'aide. Euh, donc j'ai eu la chance d'avoir autour de moi euh, des personnes bienveillantes qui m'ont aidé, euh, que ce soit ma famille, mes amis, euh, aujourd'hui mes collègues qui n'hésitent pas à m'aider quand j'en ai le besoin. Mais, euh, mais voilà, bien sûr, a, ça n'a pas toujours été le cas. Il y a certaines personnes qui, qui sont moins avenantes et qui au moins venir naturellement m'aider. Mais globalement, pour moi, ça s'est bien passé. Oui, ça n'a pas stoppé en tout cas les, les ambitions et la volonté de, de mmh. travailler dans, dans cette filière tech, dans cette filière du numérique. Pourquoi la tech parce que, parce que ça aurait pu être autre chose, finalement. Euh, euh, c'est plus facile, ces notions-là, à appréhender dans, dans la tech Non, je ne pense pas que ce soit plus facile. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il y a une vraie diversité euh, des sujets, des domaines. Et donc, euh, je pense que chacun peut trouver un domaine, une voie dans la tech, un métier euh, qui lui plaît. Euh, alors sans mauvais jeu de mots, au moins ma voix, c'est la voix. Mais euh, mais voilà, je pense qu'il y en a, il y en a plein d'autres. Et, et je pense que le, le numérique et la tech euh, en général euh, facilitent aussi cela. C'est important justement qu'il y ait, euh, qu y ait des, des formations comme comme celles dont on parle aujourd'hui, euh, comme des clics numériques. Pour aller dans, dans des filières euh, comme, comme celle-là, euh, pour des gens qui euh, se disent c'est pas forcément fait pour moi ou qui n'y penseraient pas tout simplement Oui, je pense que c'est important. C'est important de montrer euh, l'étendue des possibles dans la tech euh, de montrer que bah, peu importe son, son handicap, euh, sa particularité, quelle qu'elle soit, euh, on peut faire un métier euh, dans la tech on peut trouver un métier euh, adapté et euh, que la tech est aussi quelque part un, un vecteur d'inclusion. De par les différentes technologies qui existent, euh, aujourd'hui, on arrive à faire des choses fantastiques, euh, du sous-titrage automatique, euh, des, des voice-overs comme, comme ce dont parlait euh, Raja tout à l'heure. Euh, C'est vraiment des, des technologies qui permettent euh, plus d'inclusion et un accès facilité pour toutes les personnes dans la tech. C'est un, un vrai vecteur d'égalité des chances, en quelque sorte. Oui, oui je le pense. Oui. Euh... Aujourd'hui, ce que, ce que vous faites, Yanis, avec la, la voix, parce que vous avez continué dans cette voie-là, oui. euh, et avec l'intelligence artificielle, euh, se met justement au, au service des, des personnes en situation de handicap. Hein? C'est aussi ça l'idée, l'ambition derrière. Alors moi, ce n'est pas directement ce que je fais. Euh, Aujourd'hui, je, je fais une thèse donc en intelligence artificielle, euh, toujours sur ce, cette thématique de la voix, et très liée à la reconnaissance vocale. Et pour le coup, c'est vrai que la reconnaissance vocale... C'est une technologie qui peut être utilisée pour des besoins d'accessibilité. On pense aux personnes qui ont peu de force, qui ne peuvent pas taper sur un clavier par exemple, ou même écrire. C'est vrai que la reconnaissance vocale leur permet cela, c'est-à-dire de, de transmettre ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent, en l'occurrence, en mots. Et, et voilà, de cette façon, c'est un, un vrai vecteur d'inclusion. Merci beaucoup pour, pour votre témoignage qui est la preuve effectivement qu'on qu peut faire une carrière dans, dans cette filière du numérique. Ça ouvre en fait le champ des possibles. C'est ce que j'ai envie de dire et c'est ce qu'on voit au travers de, de vos quatre témoignages ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup Yanis, merci d'avoir été avec nous. Yanis Tevissen, un des, un des fondateurs de Vocacoach qui continue donc euh, à travailler aujourd'hui sur l'intelligence artificielle et euh, la voix. Vous le savez, je vous l'ai dit, euh, tout au long de la soirée, euh, nous allons recevoir des partenaires, des partenaires euh, qui s'engagent hein, aux côtés de, euh, de divers idées. Dans ce programme Déclic numérique, je vais vous demander euh, d'accueillir tout de suite Vincent Poirel, qui est responsable égalité des chances, diversité chez Patch Group. Vincent, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans, dans ce live. Euh, on est regardé évidemment euh, depuis l'autre côté de, de l'écran, forcément en live ce soir depuis le studio de, de Google France. Euh, ce n'est pas simple finalement de, de serrer les priorités. En tout cas, j'ai l'impression. Euh, pourquoi est-ce que vous, vous avez voulu euh, vous impliquer sur cette cause en, en quoi c'était euh, important alors, pour plusieurs raisons déjà, Page Group, c'est un cabinet de recrutement, pour ceux qui ne le savent pas, ils nous connaissent peut-être sous des marques, Michael Page, Page Personnel, et on a commencé à travailler sur des questions de lutte contre la discrimination il y a une vingtaine d'années. Euh, notamment pour euh, réfléchir avec euh, des associations, dont, dont une association dont on est fondateur, euh, qui s'appelle A Compétences Égales, sur ben, euh, comment recruter sans discriminer. Et en avançant sur ces questions de non-discrimination, on a ensuite euh, évolué vers des questions de promotion de la diversité. Euh, et naturellement, euh, on a une de nos divisions euh, qui recrute en interne euh, sur les métiers de la tech. Et comme ça a été dit par euh, la plupart des intervenants euh, euh, ici, et ben, euh, on a besoin d'innovation. On a besoin d'avoir des gens qui vont créer des nouvelles choses dans la tech. Et la diversité, quelle qu'elle soit, est un vecteur d'innovation très important, même essentiel sur les métiers de la tech. Et je crois que, bah, on l'a vu aujourd'hui avec les intervenants, et d'ailleurs je voudrais... Euh, Enfin, leur tirer mon chapeau et, 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 et moi, je suis responsable égalité des chances. Vous l'avez dit. Et quand je vois l'énergie euh, que les rôles modèles ont mis euh, dans les créations euh, qu'ils réalisent au quotidien, ben ça me, ça, 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 me, ça me donne envie de continuer à faire mon job d'égalité des chances parce que ben, parce qu'on voit que euh, en, en amenant euh, toutes les personnes. Qui ont envie de le faire, qui ont l'énergie de le faire, qui ont, euh, euh, qui travaillent suffisamment pour le faire, et eh on, on crée des choses formidables. C'est vrai qu'ils sont assez bluffants, ouais, et en toute humilité en plus. Hein. Vous avez oui, non, bah, enfin bah, oui, bien sûr. Oui. Et puis, enfin, c'est, les créations, enfin, les témoignages qu'on a eus ce soir devraient vous donner à tous envie euh, de participer à ce programme de Diversity Days puisque euh, bah, ça vous ouvre des portes et vous avez vu quelles portes ça vous ouvre. Dites-moi, comment est-ce qu'on fait pour passer en quelque sorte, si je résume, du, du message aux actes, en interne alors déjà, on fait des formations, beaucoup. Moi, je forme tous nos recruteurs à la lutte contre la discrimination, euh, déjà pour qu'ils connaissent les règles, et puis aussi pour qu'ils puissent répondre à des clients un peu chatouilleux euh, qui voudraient euh, pas forcément avoir de profil diversifié. Donc, euh, on développe un discours, et ce discours, il est simple, hein, il est uniquement basé sur la notion de compétence. Donc, on va travailler sur les questions de formation, et puis des partenariats avec des formidables associations. J'ai parlé de la compétence égale, on est là pour parler de diversité, il y en a beaucoup d'autres, euh, et c'est très important de développer justement ces actions avec ces associations, notamment pour accompagner les personnes qui en ont besoin sur les thématiques du recrutement. Donc là, la, la semaine prochaine, je vais avoir le directeur de la division des recrutements des métiers de la tech qui va animer un atelier pour accompagner les personnes en reconversion, comment valoriser un parcours de reconversion quand on est devant un recruteur. Mais on réalise aussi beaucoup de coaching candidat, euh, euh, soit en situation de handicap, soit dans d'autres situations euh, qui pourraient les amener à être discriminés. Merci beaucoup. Merci pour euh, votre engagement euh, aux côtés de, de diversité. Je vous eh laisse... bien, merci pour m'avoir accueilli et encore merci pour les témoignages des rôles modèles. Oui, c'est vrai que c'est très très inspirant. Je vous laisse euh, retourner euh, euh, de l'autre côté de de, de l'espace. Vous ne voyez pas, mais il se passe plein de choses ici. Euh, ça bouge énormément. Euh, je vous propose tout de suite, tiens, d'accueillir euh, un autre partenaire et c'est Magali Eklach, responsable QVT Qualité de vie au travail, euh, qui va venir nous rejoindre. Dans le groupe Pierre Fabre. On enchaîne, on enchaîne. Hein. Vous avez vu, Magali, il euh, y a Beaucoup du chose monde, il y a du monde ce soir avec des témoignages bluffants euh, et des partenaires euh, qu'on sent motivés, qu'on sent engagés. Euh, on, on comprend. Euh, Finalement, quand on voit tous ces témoignages, l'importance des actions de, de programmes comme, comme des numérique, numériques, c'est ça qui vous a donné euh, finalement envie euh, d'en être, vous aussi Oui, et pourtant, euh, nous, le groupe Pierre Fabre, on n'est pas de la tech. On parle beaucoup de tech et, et de numérique. Nous, on est un groupe pharmaceutique et dermocosmétique, mais ça ne nous empêche pas d'être convaincus que la diversité... Et le numérique sont des métiers, enfin, sont, sont des actions qui sont importantes dans euh, toutes les catégories de métiers qu'on peut retrouver et dans toutes les industries. Et puis, euh, aujourd'hui, je crois qu'il est extrêmement important de communiquer avec euh, l'enthousiasme de nos collaborateurs. Et ce qui nous a beaucoup euh, séduit chez, dans ce programme avec, euh, avec des clics numériques c'est qu'on nous a donné la possibilité d'embarquer nos collaborateurs. Et je crois que l'une des, des clés du succès, c'est aussi ça, c'est que eux soient présents et, euh, et ils le sont et ils le seront encore euh, au cours de cette semaine. Oui, parce que euh, ces outils tech, finalement, c'est euh, un formidable euh, outil de, de transformation de la société, un, un, un outil de d'accélération des choses. Oui, et puis il faut que qu'aujourd'hui qu on, on soit en capacité de rassurer euh, et d'expliquer à tout le monde que le, la diversité n'est pas un frein et puis la diversité n'est plus une option. Euh, je, si je reprends un, un exemple, alors je, euh, elle ne m'en voudra pas, je pense, de, de la citer, où aujourd'hui, on parlait notamment de, de, de développer des, des techs et d'être innovants, même dans le comportement des gens. Aujourd'hui, quand vous avez, c'est notre cas chez nous, une collaboratrice sourde qui participe à une réunion, eh bien, on ne se coupe plus la parole, eh bien, on s'écoute, on a des réunions qui sont plus efficaces. Donc aujourd'hui, il faut que tout le monde comprenne, collaborateurs et personnes en situation de handicap, qu'on a beaucoup de choses à s'apporter et qu'il faut qu'on s'écoute et qu'on arrive à collaborer ensemble. Et ça passe par la tech, et c'est important de le dire, même quand on n'est pas, et vous l'avez fait, euh, vous l'avez précisé, même quand on n'est pas un groupe. Tech, on a des choses à apprendre et à apprendre de, de cette filière du numérique. Merci beaucoup, Magali, d'avoir été avec nous et d'être engagée aux côtés de, de Diversité. Je vous laisse euh, rejoindre, rejoindre évidemment la coulisse. Euh, moi, je vais m'éclipser aussi parce que ceux qui en parlent le mieux, c'est forcément l'équipe de Diversité. Alors, je vais vous demander d'accueillir tout simplement Iris Avital et Anthony Babkin, deux des chevilles ouvrières de l'association. La place est chaude. Je m'installe bien. Top. Bah, comment ça a été ce soir, Anthony ah, Stressé. Tu sais, comme si c'est moi qui avais tout fait. Oui. Mais depuis qu'on a une équipe en or derrière. C'est vrai. Roule sur des roulettes. D'ailleurs, c'est ton équipe, il me semble. C'est vrai, c'est mon équipe, notamment Manel et Aminata, qui sont intervenues tout à l'heure et que vous allez revoir à partir de demain. Euh, c'est elles qui ont programmé euh, tout, tout, le, tout le parcours d'atelier que vous retrouverez dès demain. Euh, et elles ont vraiment fait un boulot en or, donc euh, bravo à elles. Il y a un petit mot à passer euh, déjà à toutes ces personnes qui nous regardent, qui sont en live. Moi, j'ai un, un premier message c'est celui euh, de fait que demain tout commence, demain dès 9h. Avec une équipe, moi, que j'ai la chance de piloter au quotidien, très humaine, très à l'écoute. On a fait énormément de travail ces dernières, dernières semaines, derniers mois pour rendre la, finalement cette plateforme accessible au plus grand nombre. Tu as piloté tout ça. Qu Qu'est-ce qu qui a changé entre le déclic d'il y a quelques semaines et le déclic d'aujourd'hui alors, ce qui a changé, bah, on, a eu, on a lancé une nouvelle plateforme du coup il y a deux semaines. On espère avoir beaucoup de retours de votre part pour pouvoir s'améliorer parce que tout n'est pas encore parfait. Mais l'idée, c'était vraiment de la rendre plus fonctionnelle, plus accessible, donc avec plus d'informations, euh, des choses qui étaient plus accessibles aussi avec des lecteurs de clavier, avec euh, plus de sous-titres sur les ateliers, avec plein de choses comme ça. Donc, on espère que ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, n'hésitez pas à nous écrire pour qu'on améliore. Euh, on a été aussi accompagné par un super euh, accélérateur qui s'appelle Sherit dans le développement de cette plateforme. Euh, Plateforme et par Nicolas aussi qui fait partie de nos équipes. Donc on espère que ça vous plaira. On vous la présente en détail demain matin à 9h. C'est accessible en replay donc si vous le manquez, ne vous inquiétez pas. Mais c'est vraiment le rendez-vous de demain c'est de vous présenter la plateforme et toutes les fonctionnalités qu'elle a pour la suite. On est accueilli chez Google, euh, pas n'importe quelle boîte tech hein, puisqu'on le sait aujourd'hui, Google fait partie des, des incontournables. Euh, c'est important de dire qu'il y a plein d'autres partenaires aussi derrière cette aventure. Tu peux en citer quelques-uns et au pire, je la complète. Ouais, tout à fait. Euh, C'est vrai qu'on est accompagné par plein de, de partenaires, certains que vous avez vus ce soir, donc euh, Google, l'Agfip. Vous avez vu Pôle Emploi en, vi en vidéo. Vous avez vu euh, Pierre Fabre. Certains que vous n'avez pas vu aussi, euh, CGI, Axa, qui sont avec nous ce soir, euh, qui sont juste au-dessus, euh, Shopify, LinkedIn, euh, Michael Page, qui est intervenu ce soir. Donc euh, voilà, on a plein. Et je vais compléter côtés. avec Cégide EDF, la Grande École du Numérique, Orange. Euh, Shopify et Michael Page euh, récemment aussi qui nous ont rejoints. Je souhaite euh, remercier moi tous ces partenaires parce que sans eux, bah, des clics numériques et l'aventure diversité ne serait pas la même. Euh, C'est aussi des professionnels que vous allez retrouver tout au long de ces ateliers, euh, bah, des passionnés, euh, des experts. Il y aura tout type de, de coaching. Tu peux nous citer quelques ateliers qui te viennent comme ça en tête? Oui, bien sûr, vous allez avoir plein d'ateliers, des ateliers de présentation de métier, des ateliers sur les soft skills, donc les compétences relationnelles, comment est-ce que vous pouvez les utiliser dans le cadre de, de recrutement, des ateliers sur des conseils sur comment accéder à, à des formations. Il y en a vraiment pour tous les goûts. N'hésitez pas à faire votre sélection, vous n'avez pas à tout suivre. On vous explique dans tous les cas tout demain matin, mais vous êtes vraiment tous et toutes les bienvenus. On a normalement une tradition chez DiversiDay, c'est de crier DiversiDay à la fin de la rencontre. Cette fois-ci, je suis un peu frustré parce que on est dans un plateau. Est on, pourrait, on peut le crier tous les deux. <laughs> oui, tu vois que ça serait à Paris. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je tiens à remercier le travail incroyable des équipes qui sont derrière. Euh, je pense à Ramata, à, à toi Iris. Je pense à, à Minata, à Manel. Toutes ces personnes qui ont passé du temps, Julie, Nicolas, enfin voilà, maintenant on est 12. Avant on était 2, donc là ça, ça, ça s'améliore. Donc voilà, moi je souhaite évidemment encourager tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui. Euh, tous ceux qui étaient là, pourquoi ils étaient là Parce qu'on a un message fort à faire passer, c'est que le handicap, on le réduit souvent à une typologie de handicap, souvent d'ailleurs le handicap visible. Euh, qui est d'ailleurs symbolisé à chaque fois avec ce même symbole d'une personne en fauteuil roulant. Et on a vu ce soir que le handicap, c'est bien plus riche que ça. C'est une diversité de handicaps, une diversité de parcours, une diversité de profils, de genres, euh, de parcours de gens aussi qui peuvent être mis parfois en difficulté parce qu'ils habitent plus loin du centre urbain, plus loin des centres de formation. Et donc, avec des clics numériques, et c'est l'objectif depuis le départ, c'est de montrer que c'est possible, malgré parfois ces difficultés de départ, parfois avec euh, ces différences. Et donc, voilà, c'était le message. C'est dire, c'est possible, à condition d'eux et à condition d'être accompagné, d'être aiguillé souvent. Et donc, le programme des clics numériques a cette vocation-là de répondre à plein de questions. Alors, on ne répond pas à tout, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a de multiples questions, il y en avait plein dans le chat, et merci pour vos questions. Et si vous en avez encore jusqu'à demain, on est disponible, on lit nos mails tard et tôt. Donc, lâchez-vous et surtout, soyez exigeants avec nous. Je vous dis... Pourquoi je vous dis exigeant Parce que quand on est soutenu par des grands acteurs tech, euh, des acteurs comme la Gfip, on se doit nous d'être irréprochable. Ça ne veut pas dire qu'on est 100% parfait, mais ça veut dire qu'on sera très à l'écoute sur cette édition Focus Handicap à euh, ce qu'il faut corriger. Parce que, comme plein d'autres, il y a encore des ajustements à faire. Et l'accessibilité en est un. On a beaucoup travaillé sur ça. Vous pourrez être très autonome avec cette nouvelle plateforme. Il y a beaucoup de choses accessibles. Donc voilà, prenez le temps de, de parcourir cette plateforme. Moi, je tiens à saluer le travail de l'équipe et surtout remercier toutes ces personnes. Je vois Véronique de la GFI devant moi devant moi. Je vois également Raphaël Duchemin qui a animé cet événement. Je vois toute l'équipe technique. Donc, on peut leur faire un gros tonnerre d'applaudissements, un gros big up. Vous faites le job. Merci. Merci. J'entends pas les applaudissements. Non, en plus, les ils sont là à de... me regarder de manière passive <laughs> comme s'il ne se passait rien. Donc merci à vous. Lancez-vous, faites-vous confiance. Tu veux dire le mot de la fin peut-être Oui, le petit mot de la fin. Si vous nous regardez ce soir ou que vous nous regardez peut-être demain, dans 4 jours, dans 5 jours, n'hésitez pas à vous inscrire. C'est un programme qui est aussi disponible en replay. Donc si vous nous rejoignez en cours de route, il n'y a aucun problème. C'est vraiment ouvert à tous. Il n'y a pas de prérequis, de connaissances nécessaires. Euh, venez, posez vos questions, si vous ne comprenez pas tout du premier coup, c'est pas grave, ça va venir on est vraiment là aussi pour s'entourer les uns les autres, c'était super de vous avoir dans le chat, j'ai pu modérer un petit peu euh, pour voir vos questions, pour pouvoir aussi vous soutenir les uns les autres, euh, d'autres témoignages arrivent, il y en a vraiment pour, pour tout le monde pour tous les goûts, donc euh, n'hésitez pas à nous rejoindre, si vous avez encore des questions on y répond demain matin, c'est vraiment le rendez-vous qu'on vous donne demain matin à 9h pour vraiment vous présenter en, en détail euh, la plateforme, le programme euh, comment ça fonctionne, répondre à vos questions. Et puis voilà, on a une super boîte mail qui s'appelle déclic euh, au pluriel arrobasdiversities.com. Vous pouvez nous écrire, on a une page de contact, on a plein de choses. Euh, N'hésitez pas, on fait au mieux pour vous répondre au plus vite et on appréciera tous vos retours pour pouvoir apprendre et puis euh, progresser au fur et à mesure. Excellent, je dis un 3, 2, 1 Diversities. Comme ça, ceux qui sont devant moi, ils vont m'aider. 3, 2, 1 Diversities, Diversities Merci à tous. On vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve demain. À demain. Merci beaucoup. Merci encore à toute l'équipe et à toutes les personnes mobilisées derrière nous. On avance, on avance. C'était la dixième édition, hein la dixième. C'est peut-être fini, on ne sait pas. Qui sait Qui sait Peut-être que les micros ne fonctionnent plus. Bonne soirée à tous, ouais, peut-être la fin. Bonne soirée, on s'arrête là et à demain.